Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Cat Size. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 5 sur mes jeux PS3 préférés. Alors, pourquoi top 5? Parce que top 10, en fait, j'avais pas assez de jeux PS3 à vous présenter. Puisque moi, comme je vous l'avais déjà expliqué, je suis plus 360, donc j'avais fait un top 10 de mes jeux 360 préférés, que je vous mettrai en lien peut-être ici. Et du coup la PS3, moi j'ai joué à très peu de jeux en fait dessus, j'ai joué surtout à des exclusivités et des jeux auxquels j'avais envie de jouer, mais je jouais plus sur la 360. Donc voilà pourquoi je ne vais faire qu'un top 5 en fait. Donc c'est vraiment sur les jeux qui m'ont vraiment le plus plu. Maintenant dans mon top sur Xbox 360, on peut retrouver des jeux PS3 pareil. Donc avant de faire mon top 5, je voulais vous présenter quand même quelque chose que j'aime bien sur la PS3, même si, bon, je trouve que c'est un petit peu se faciliter la vie. Mais ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils ont fait, tous les jeux qu'ils ont ressortis en fait en HD. Donc comme le Final Fantasy X, X2, le Final Fantasy X, c'est vraiment une tuerie, j'adorais ce jeu. Un petit peu moins le X2, j'avais vraiment moins aimé, mais le X, je l'avais terminé, j'avais vraiment adoré l'histoire. Donc si vous l'avez jamais fait, c'est toujours l'occasion de le refaire. D'ailleurs, il est sorti sur PS4 aussi en remasterisé. Donc toujours intéressant de le posséder. Ensuite, le DuckTales Remastered, je ne sais pas. Bref, peu importe, le DuckTales remasterisé. Pareil, un très très bon jeu qui était sorti sur NES. C'est toujours sympa de pouvoir les refaire, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons les deux Kingdom Hearts, donc HD 1.5 et 2.5. Ça c'est pareil, c'est des très très bonnes valeurs sûres à faire aussi. Alors ça, mais prenez-le, le Jak and Dexter HD Trilogy. Le Jak and Dexter sera vraiment un très très bon jeu à posséder aussi, donc toujours très sympa. Le Ratchet and Clank Trilogy. Et ensuite le Devil May Cry HD Collection et le Splinter Cell Trilogy. Moi j'adore la série Splinter Cell. Et voilà, c'est toujours sympa de pouvoir les refaire et de pouvoir les refaire en HD. Donc voilà, ça je voulais pas les mettre dans le top parce que voilà, ça ne sont que des remasterisations. Mais voilà, je trouve que c'est des jeux quand même à posséder sur PS3 qu'on peut les avoir. Il en manque un aussi. Attendez, je vais aller le chercher. Voilà, j'avais oublié de vous les présenter. Il s'agit bien sûr du Tales of Symphonia Chronicles qui était sorti sur GameCube. Ça, c'est pareil, de pouvoir le refaire sur PS3, c'est toujours extraordinaire. Et la collection Metal Gear Solid, donc qui regroupe tous les Metal Gear depuis la NES jusqu'au dernier, enfin, pas le dernier qui est sorti sur Nouvelle Génération, mais en tout cas tous les Metal Gear depuis la NES. Donc ça, c'est une belle chose à posséder si vous aimez les Metal Gear. On attaque tout de suite avec le top 5 sur les jeux PS3. Donc je vais commencer par un jeu qui est sorti sur les deux consoles. Il s'agit du jeu Walking Dead, donc qui est un point and click, qui est un jeu assez court, hein, qui ne coûte pas très très cher, qui est un jeu assez court. Maintenant, il faut aimer la série Walking Dead, il faut aimer le genre. Ensuite, bon, c'est pas un jeu compliqué, hein, il suffit de faire des choix. On se rend compte qu'au final, bon, quoi qu'on fasse comme choix, l'histoire avance un petit peu à peu près pareil. Maintenant, c'est un jeu très très sympathique à faire, si on aime la série. Et voilà, si c'est pas un jeu de tir où faut pas s'attendre à chasser du zombie, etc. C'est plus un point and click, donc à faire des choix, différents choix, suivant les dialogues ou suivant les actions. Mais voilà, moi pour moi c'est un très très bon jeu que j'adorais, que j'ai fini très rapidement. D'ailleurs j'ai fait la saison 2 sur Xbox One. Donc vraiment voilà, pour moi c'est mon numéro 5. En numéro 4, un jeu que j'avais essayé sur un salon qui était un petit peu mis en retrait et finalement qui s'est avéré très très bon. Il s'agit de Heavy Rain. Alors j'aurais pu vous présenter Beyond Two Souls qui n'est pas dans mon top 5. C'est un très très bon jeu aussi qui n'est pas la suite mais qui est fait par le même éditeur que Heavy Rain. Mais pour moi, Beyond Two Souls était un petit peu trop linéaire. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas mis dedans.
Pour moi, Heavy Rain est un très très bon jeu qu'on peut faire et refaire, puisque en fait il s'agit d'une enquête où on joue 5 personnages différents. Je crois que c'est 5, hein, c'est pas 4, 5. 4 ou 5, bref. Et voilà, chacun a son histoire, mais au final tout est regroupé et on a des choix à faire. Moi j'aime beaucoup ça. On a des choix à faire et il se peut que nos personnages meurent ou pas, ou voilà. Mais quoi qu'il arrive, c'est une histoire qu'on peut faire et refaire puisqu'elle ne sera jamais la même. Donc sur un meurtrier en série, une très très belle histoire, un très très bon jeu, et Heavy Rain, un jeu à posséder absolument. En numéro 3, j'ai choisi Ni no Kuni. Donc Ni no Kuni est un jeu magnifique. On a l'impression d'être dans un dessin animé de Miyazaki. C'est vraiment le même dessin et une très très belle histoire. Donc un petit garçon qui a perdu sa maman, je crois. Voilà, il doit sauver sa mère en fait. Et il se retrouve dans un monde parallèle, dans un monde féerique où voilà, il aura des combats à faire, etc. Moi personnellement, je ne l'ai pas fini parce que j'ai voulu avancer trop vite et c'est un jeu très très long où il faut prendre son temps, faire les missions secondaires, etc., faire évoluer son personnage. Moi j'ai voulu un peu trop avancer dans l'histoire, ce qui fait que en fait mon personnage n'est pas assez fort et que je n'arrive pas à battre le boss. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu où il faut prendre son temps, c'est un très très beau RPG à faire absolument, il est vraiment magnifique et vraiment à posséder. Une des pépites de la PS3, pour moi, c'est un jeu à posséder absolument. En numéro 2, j'ai choisi Uncharted 2. Alors, attention, je choisis toute la série Uncharted. Maintenant, je ne vous présente qu'un jeu. Je vous présente le 2 parce que moi, c'est celui que j'ai préféré. Voilà. Le 1 et le 3 sont très très bien aussi. Ce sont des très très bons jeux. Maintenant, dans la série, c'est mon avis personnel. J'ai préféré le 2. Maintenant, voilà, j'ai choisi de vous présenter un jeu. Sinon, je vous présente les trois en même temps. C'est pareil. Mais voilà, moi j'ai une petite préférence pour le 2. Maintenant, la trilogie Uncharted, j'ai fait le dernier d'ailleurs sur PS4 qui est vraiment excellent, qui est une tuerie, une bombe. Il est vraiment très très bien. Maintenant, sur PS3, voilà, j'ai choisi le 2 parce que sur la trilogie, ça a été mon préféré. Maintenant, les trois sont très très bien. Et de toute façon, les trois méritent leur place dans le top 5. En numéro 1, j'ai choisi pour moi, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué sur PS3. Ça reste mon avis personnel, chacun a ses goûts. Vous auriez pu me dire oui, tu n'as pas mis tel jeu ou tel jeu. Non, c'est un top 5. C'est un choix que j'ai fait. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai fait très peu de jeux sur PS3. Maintenant, pour moi, le meilleur jeu auquel j'ai joué sur la PS3. Il s'agit de Last of Us. Last of Us, c'est vraiment une tuerie, un super jeu, une très très belle histoire. C'est fait par Naughty Dog. De toute façon, moi j'ai envie de vous dire, Naughty Dog, c'est une valeur sûre. Ils ont fait que des bons jeux. Ils ont fait les Crash Bandicoot, ils ont fait le Uncharted, ils ont fait. Mince, je ne me rappelle plus. Les Jak and Dexter. Bref, Naughty Dog, c'est une valeur sûre sur PlayStation. Last of Us, une histoire magnifique. Avec de l'action, avec des sentiments, c'est vraiment un jeu extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur jeu, je ne me suis pas ennuyée, c'est un jeu qu'on ne peut pas lâcher. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le top du top sur PS3, c'est vraiment le jeu à faire. Si je ne devais en choisir qu'un, ce serait celui-là. Voilà, pour moi, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué, sur même certaines consoles confondues. Hein. Vraiment un jeu très 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 prenant et voilà, très captivant. Donc voilà, c'était tout pour mon top 5 de jeux PS3. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous en avez envie et si vous voulez en voir d'autres. Et je vous dis à bientôt et bon jeu à tous. Salut, salut!